Voilà pour ces manifestations anti-MONUSCO. On va passer à autre chose. Satisfait du déroulement du 21e sommet de la CEAC, le président de Sao Tomé-Principe est rentré chez lui ce mardi. Comme annoncé, il reviendra en novembre pour la conférence sur les secteurs maritimes de la CEAC. Avant son départ, le président Félix-Antoine Tshilombo lui a rendu visite en sa résidence à la Cité de l'Union africaine. Au terme d'un séjour de 72 heures passées en terre congolaise, pour participer à la 21e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, le président de Sao Tomé et Principe, Carlos Villanova, a quitté Kinshasa ce mardi dans la matinée. Peu avant son départ, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est allé lui rendre visite dans sa résidence de la Cité de l'Union africaine, cadre qui a accueilli plusieurs autres chefs d'État. Après une entrevue d'au revoir d'une dizaine de minutes, les deux chefs d'État se sont donné rendez-vous en novembre prochain pour un nouveau sommet de la CEAC à Kinshasa, consacré au bassin maritime de l'Afrique centrale. Nouvellement élu à la tête de son pays, le président Villanova participait pour la première fois à un sommet de chefs d'État de la CEAC. Il a reçu les félicitations des dirigeants de la CEAC et c'est lui qui a lu la motion de remerciement des participants adressée au président Félix Tshisekedi. Le président de Sao Tomé a remercié son hôte pour l'hospitalité lui témoignée durant son séjour.